il nous a donné ce temps. Et aujourd'hui, nous savons déjà que la maladie mondiale est encore là. Or, que ça ne vous empêche pas de vous venir ici. Donc, à vous accueillir, le bienvenu. Bienvenue vous tous. Monsieur le ministre de la Santé publique, Ahmed Ahmed. Madame la ministre de la Recherche scientifique et de l'enseignement supérieur. On vous accueille la bienvenue ici chez nous. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Et aussi, nous sommes très heureux de vous voir ici. Donc, on est tous croyants, même si ce n'est pas pour moi, peut-être il y a encore les sunnis et les chiens, mais on est tous des islam. Là, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que tous les musulmans sont de frères et sœurs. Donc, on est très heureux de vous avoir ici tous. Assalamu alaikum jamiyan wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakat. Ahlan wa sahlan. Mesdames et messieurs, il est un grand honneur pour l'Institut islamique et le Centre CRA de recevoir ces augustes invités. Juste pour dire que l'iftar de la fraternité a été lancé depuis assez longtemps, mais à cause de cette pandémie, il a été difficile de faire venir beaucoup d'autres personnes, car dans le respect de la loi, on a rétréci le nombre. Mais en tout cas, en deux mots, merci. On vous souhaite la bienvenue parmi nous et qu'Inch'Allah nous aurons l'occasion de partager le iftar ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Et puis, je sollicite les chefs des chefs des chefs ouvrières. Vous savez, il est aujourd'hui behind the successful men, there is a woman. Derrière tout homme réussi, il y a une dame. Alors donc, avant d'appeler Cheikh Hanif, j'appellerai Madame Cheikh Hanif de se présenter sur le strade et avec Cheikh Hanif, parce que nous avons un souvenir à les remettre. Salawat par Mohammed. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat par Mohammed. Si ça ne vous dérange pas, Madame la ministre, Monsieur le conseiller spécial, je vous solliciterai vous deux de venir remettre par vos nobles mains. On vous invite à venir sur l'estrade. Venir et sur Monsieur le
conseil spécial reçoit le trophée pour le ministre par les mains de chaque année. Salut à Mohammed. Les enfants. Nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Adam et Hawa, ces deux personnes sont indéniables. On ne peut pas créer d'enfants. On ne peut pas procréer, sauf une personne dans l'histoire de l'humanité, Maryam bint Imran, alayha salatu wassalam. Mais tout homme et toute femme désirant avoir des enfants sont obligés de s'accoupler. C'est un décret divin, personne ne pourra le changer. Donc, devant Allah, ces deux êtres s'équivalent. Dans le même sourate, le Qari nous a dit « Wa'lamu, mais sachez, ô vous qui lisez ce Coran, anna fikum, que parmi vous, même en sourate, il y a un messager d'Allah. » Est-ce que cela suffit qu'il soit là? Non. Est-ce que cela suffit qu'il transmette quelque chose? Non. Qu'est-ce qu'il faut se passer? Là où vous dwi'ankum, si vous respectiez, si vous mettez en pratique, kathirun, la majorité, min al-amri, de ces recommandations, la anitum. Mais il faut savoir une chose. La première recommandation qu'a reçue la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Al-ilm, iqra, li. C'est pour ça que, chers enfants, il est important que chacun d'entre vous se dise que quelle que soit la discipline qu'il va décider de suivre, ne doit pas le faire pour son intérêt personnel, mais faites-le pour Allah. Le professeur Ahmad Ahmad, aujourd'hui ministre de la Santé, quand il est en train de faire le meilleur ministre, dommage qu'il ne soit pas là pour en témoigner, lui disant que soit le meilleur ministre pour Allah, et Allah fera de toi le meilleur ministre. Et Allah fera de toi le meilleur ministre qu'on nous donne aujourd'hui, les chers enfants. Soyez les meilleurs étudiants pour soi. Le meilleur ministre pour Allah sera de vous des meilleurs étudiants. Et Allah fera de toi le meilleur ministre qui va viser. C'est le même conseil que je donne à l'Ivan. Soyez les meilleurs étudiants pour la. Et Allah fera de vous des meilleurs hommes et des meilleures femmes pour l'ensemble de l'humanité, inshallah. Wa ma tawfiq illa billah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah. De nous avoir. Alors, permis, premier mot, c'est tout simplement de remercier notre Seigneur, nous sommes là, donc honorés de nous avoir d'être parmi vous aujourd'hui et nous vous remercions également d'être ensemble à l'occasion. Chers parents, chers frères et sœurs, honorés d'être parmi vous aujourd'hui et nous vous remercions également de votre invitation. Nous n'avons pas. Chers parents, chers frères et sœurs, quand même rappeler à tout le monde justement l'importance. Et nous n'avons pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même rappeler à tout le monde l'islam nous a justement l'importance à nous aider les uns. Le grand cadeau que nous a donné notre religion, l'islam. L'islam nous a appris à nous aider les uns les autres. L'islam, nous rappelle également à chaque instant de notre vie, nous impose l'importance de s'entraider. Nous avons également et dans cette entraide et collaboration, c'est une solidarité ou une cohésion que nous impose notre religion. Nous avons également aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour ce qui constitue notre religion, la base même, alhamdoulilah, et le centre de notre religion. Et nous sommes là également aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour honorer notre religion, alhamdoulilah, et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes là également pour partager un grand repas et c'est ce que le long de sa vie. Notre prophète, cher frères et sœurs, je n'irai pas
Oui, je n'allais pas faire un long discours parce que le temps ça ne permet pas justement de nous étaler. Donc, chers parents, chers frères et sœurs, je n'irai pas dit. Oui, je n'allais pas faire un long discours parce que le temps ne nous permet pas justement de nous étaler sur un long discours. Mais ce, je vous dis, repas, j'aimerais vous dire, tout simplement. Nous allons également faire ici ensemble. Et ensemble, nous allons partager ce comme repas au nom d'Allah. Et nous allons également faire ensemble, effectuer ensemble. Avant de terminer, comme j'aimerais tout simplement attirer l'attention de tout le monde de la au respect justement des consignes de l'État et du gouvernement. Avant de terminer, la distanciation, j'aimerais tout simplement attirer l'attention de tout le monde pour au respect des consignes de l'État et du gouvernement concernant tous la distanciation. Combattre les gestes des barrières, cette pauvre maladie, pour protéger le corona et pour que nous puissions tous et ensemble combattre justement cette notre religion maladie qui nous impose le corona et nous a appris la cohésion et la solidarité. Mais nous sommes justement tous notre religion contraire nous impose contraint et nous a appris la cohésion, l'unité et à respecter. Mais nous sommes tous actuellement contraints à se limiter et à respecter ces gestes de barrière pour sauver notre pays et pour sauver justement la population tout entière. Donc, j'invite tout le monde à toujours respecter et à suivre les consignes pour que nous puissions tous, Inch'Allah, célébrer la fête de la Eid al-Fitr en paix et sans aucune distanciation sociale, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khayyam.